Bonjour. La vie monastique, c'est quoi? Un moine, du grec monos, seul, est celui qui a pris les moyens de chercher et de trouver Dieu en vivant retiré du monde, dans le silence, la prière et l'offrande de sa vie, dans une solitude avec d'autres frères et sœurs, dans le cadre d'un monastère. Pour ce faire, il se place sous une règle de vie à l'intérieur d'une communauté stable et se soumet à l'autorité d'un père abbé ou d'une mère abbesse pour les moniales. Être moine est avant tout une vocation, et cette vocation est une grâce que Dieu fait sans cesse aux hommes et femmes. Il ne se limite pas à des temps ou à des lieux, mais veut que tous les hommes soient sauvés. Le cœur de la vie monastique, c'est l'Évangile annoncé par Jésus il y a 2000 ans. Alors, c'est très clair que c'est une vie de prière, non pour soi-même, mais pour le monde. Tu ne deviens pas contemplatif, tu l'es dès ta naissance. Le moine, la moniale, se pose la question qui, lui ou elle, le permet de rester orienté vers l'essentiel, la recherche de Dieu. Cet appel de Dieu est un appel à un amour radical. Pour y répondre, le moine ou la moniale choisit de vivre séparé du monde, dans un monastère, afin d'adhérer plus étroitement et plus exclusivement au Christ. Cette fuite du monde est essentielle à la vie de ce choix de vie. Non pas fuite par peur ou parce qu'il n'arriverait pas à y trouver sa place, mais fuite du bruit et de l'agitation du monde, afin de mieux se consacrer à la prière et de se réserver à l'unique nécessaire. Une vie très simple et détachée de tout matériel, et même de sa famille. Son oui est ainsi une réponse à un amour personnel de Dieu et pour lequel il vaut la peine de tout quitter. Toute la vie du moine ou de la moniale trouve sa raison d'être dans cet appel personnel. C'est très mystérieux quand on écoute Dieu dans son cœur. Dieu parle. Il y en a plusieurs sur la planète qui vivent une vie monastique sans que tu le saches. Ils ou elles ont compris, hors des structures ou des institutions, qu'ils ont la facilité de prier pour le monde dans le silence. Moi, je l'ai appelé les lumières du monde. Dans ce monde qui, de plus en plus, est détaché de Dieu, loin de Dieu. Leur vie de silence n'est pas facile. Mais ils ou elles savent, par cet appel, qu'ils sont une lumière dans la noirceur de ce monde par leur prière. Dieu appelle, oh que oui. Il y a des miracles dans ce monde par la prière, et c'est possible que vous ne les voyez pas. Je suis un témoin que Dieu existe. Je ne suis pas un témoin oculaire, mais j'ai une foi en Dieu qui m'a été transmise par mes parents et venant des apôtres. J'y crois du fond du cœur. J'ai vu, oh oui, j'ai vu dans la vie de mes propres yeux des miracles. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Seigneur, donne-moi d'accueillir paisiblement tout ce que cette journée va m'apporter. Apprends-moi à m'abandonner pleinement à ta volonté, à tout moment et en tout. Instruis-moi et soutiens-moi. Nous savons que si l'amour et la compassion sont dans nos cœurs, chaque pensée, parole et action peuvent provoquer un miracle. Dans ce monde, Jésus, prends pitié de moi. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Bonne journée à toi.